Bon, a priori, le président est heureux. Non, il n'est pas heureux. Il aurait pu être heureux si on avait vu une prestation arbitrale meilleure que ce qu'on a vu. Voilà. Donc, comme disait le président de Chapourou, il a quand même sérieusement gâché la fin. Il ne faut rien dire sur les arbitres, c'est la journée de l'arbitrage. Oui, je sais, mais ça n'excuse pas tout. Et on peut dire quand même ce qu'on pense en employant les choix. C'est ce qu'on a fait. Il y a quand même la victoire ce soir pour les arbitres. Oui, il y a la victoire, oui, mais bon, c'est une victoire qui a quand même été relativement hachée pendant 80 minutes. Et puis, ce qui s'est passé à la fin, je pense qu'il en est quand même largement responsable. Déjà, le temps de jeu était dépassé. C'est pendant les demi-temps qu'on fait jouer, c'est pas après que le temps est fini, puisqu'il a fait quand même jouer, je pense que c'est à la 46e minute qu'il y a eu l'accrochage, 46e minute de la deuxième mi-temps, et mettre des cartons rouges à ce moment-là, c'était complètement inutile. C'est tout ce que vous allez retenir de ce match quand même? Oui, je retiens que ça, parce que vraiment c'est une déception. Ça aurait pu être une fête nettement mieux. Quand on a un arbitrage comme ça, on n'a pas pu faire de temps de jeu. Sans arrêt, il a lâché le jeu en faisant des grands gestes avec les bras et tout. Non, on ne peut pas jouer au rugby dans des conditions comme ça.